Ah, ça montre la même chose. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? On met quoi? SL. Qu'est-ce qui a été croisé? On a dit des radis de forme allongée. Hein? SL, SL. Croisé avec quoi? Donc ici, on a SL. SL, SL avec SL, SL. SL, SR. SL, excusez-moi. Avec, on a dit quoi? SL, SR, comme ça. Le génotype de F1, on a quoi ici? SL, SL. SL, SR. Et quoi encore? SL, SR. SL, SR. Quoi encore? C'est fini, hein? Ok, donc on a ça. Rapport? Combien? 1, 1, 1. C'est le type? SR. SL. SR. Et? SL, SR. SL, SR. Oui. C'est bon, hein? Rapport? 1, 1. 1, 1. Oui. C'est ça, hein? Ensuite, on fait quoi? On a dit ajouter des lits aux voisins. Est-ce qu'on en rajoute? Non, on n'a pas besoin. Ok. Ensuite, on nous dit une F2 est obtenue par croisement aléatoire des individus de F1 entre eux. Avec les informations tirées de ces croisements, remplissez le tableau 4. Alors, on fait quoi ici? On fait quel croisement? SL? SL avec? SL, SL. Comme ça. Ok, ça donne quoi ici? Génotype, ça donne quoi? SL, SL. Et quoi encore? Seulement. Ça donne quoi ici comme rapport? On a 100% ici. Phénotype? Phénotype, SL. C'est bon? Ici, on a quoi? On a quoi? 100%. C'est bon? On fait quoi? Hmm? On ajoute une ligne. Ok. Alors, une ligne comme ça. On met quoi? SL. SL. SL, SL. C'est ça, hein? On a quoi ici? SL. 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 C'est bon? Et quoi encore? SL. C'est ça, hein? Rapport. Rapport. C'est bon? Ensuite, la phénotype. SL. On a SL. Et excusez-moi. Alors, et est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, c'est bon. Non. C'est le seul, hein? Non. Il y a autre chose? Oui. Alors, on met quoi alors? SL, SL. SL, SL. SL, SL. Ah, SR, SR. SL, SL. Je n'ai rien compris là. On est sur les phénotypes des F2. On a un génotype SL, SL et un génotype SL, SL. Maintenant, c'est quoi les phénotypes? SL et... C'est ça. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Donc, les rapports ici, c'est quoi? 1, 1. D'accord. Est-ce que c'est fini? Non. On ajoute quoi? SL. SL, SL. Avec SL. SL. Comme ça.
Ok. On a quoi ici en F2? SL? 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 SR? Comme ça. Ensuite? SR, SR. SR, SR. Ensuite? C'est fini, hein? On a quel rapport? Dans l'ordre, hein? Est-ce que c'est 2, 1, 1? Non. Tel que nous avons écrit ici, c'est quel ordre? 1, 2, 1. C'est ça? D'accord, c'est parce que ici, c'est le tableau, il est mal fait. Alors, je disais, si vous l'écrivez dans l'ordre, il n'y a pas de souci, quoi. On peut... Voilà. Si vous l'écrivez dans l'ordre comme ça et que vous le donnez comme ça et que c'est bien l'ordre, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est de le mettre dans un autre ordre et de donner les rapports dans un autre ordre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a SL. Excusez-moi. SL, vous dites? Ensuite? SL, SR. Ensuite? SR. Ensuite? C'est fini, hein? Rapport? 1, 2, 1. C'est bon? Est-ce que c'est fini? Ou il y a un encouragement? Lequel? SR, SR? Non. C'est pas ça, là? En tout cas, il faudra tous les mettre, quoi, et renseigner le tableau. C'est bon? Alors, je vais vous chercher, je sais pas, vous avez les chevaux ici, les chevaux palaminos dans ce que vous avez. Voilà, si vous regardez là-bas, c'est le même principe. Et il y a une question où on vous dit... Quels sont les croisements susceptibles de produire des chevaux palaminos? D'accord? Ça, ce sont tous les autres, tous les croisements qu'il faudra faire. Hein? Pas seulement faire palamino, palamino qui donne palamino et autre chose. D'accord? Ou alors chercher que des croisements qui ne donnent que palamino. Je pense qu'il y en a, il y en a quatre. Il faut tous les faire. Hein? C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Allô, si? Oui? Aujourd'hui, 10h, l'examen. Wow, vous m'attendez. Vous êtes où? Salle du 3e.